émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Vote Balandino, c'est l'émission Moseka Malheur Moderne. Voilà, aujourd'hui je vous propose des donuts faits maison. Des vrais donuts en mode friture. C'est pas des donuts à la machine. Donc des donuts pâte à beignet à donuts. Donc je vous laisse tout de suite découvrir, sans plus tarder, la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ces donuts, vous aurez besoin de 250 g de farine, 140 ml de lait, 4 g de levure instantanée boulangère, 7 g de lait en poudre, 1 jaune d'œuf, 30 g de sucre, 30 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel. On reprend farine, levure, lait liquide, lait en poudre, jaune d'œuf, sucre, beurre et sel. Voilà, tout de suite les étapes pour réaliser notre pâte à donut. Dans la première étape, on va tamiser notre farine. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est toujours pour enlever les impuretés et puis en plus pour la rendre bien homogène. Voilà, notre farine est tamisée. Maintenant, on va ajouter la levure. Ok. On ajoute la levure. Ensuite, on mélange. On mélange bien. On met le sucre. De lait en poudre, on mélange bien. Voilà, j'ai mon assistante qui est arrivée, donc maintenant on va ajouter une demi-cuillère à café de sel. On mélange. Ensuite, le jaune d'œuf. Allez, prends, racle. Voilà, jaune d'œuf. Prends tout. Ensuite, après le jaune d'œuf, le lait liquide, froid. Il ne faut pas le chauffer, c'est pas nécessaire. Tu mélanges. Mélange. Voilà, on a fait des petites bêtises. Tu remues. Voilà, donc on obtient à peu près ceci. Donc on a mélangé de façon superficielle. Puis maintenant, après s'être bien lavé les mains, évidemment, on va ajouter le beurre. Et on va pétrir tout doucement. Le beurre ne doit pas être fondu, il doit être comme ceci. On l'ajoute. Le reste de la pâte, comme ça. Et quand on est en train de faire ça, si ça colle de trop, on rajoute un peu de farine. Normalement, une pâte ne doit pas être trop collante comme ça. Voilà, je vais demander un peu de farine. Tu peux venir m'apporter un peu de farine, s'il te plaît? Voilà, dès qu'on sent que ça colle trop, il faut mettre un peu de farine, pas trop, hein, sinon on va tout fausser le dosage, jusque quand on peut manipuler sans avoir tout qui vient dans les mains. Voilà, je redis toujours cette règle pour ce genre de pâte à beignet, pâte à pain, brioche,
il faut pétrir minimum pendant 10 minutes. Voilà, sauf si vous avez une machine, et encore, même à la machine, je préconise 10 bonnes minutes. Voilà, donc ici on va pétrir pendant 10 minutes. Et là on va le mettre sur le tapis, comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc on est toujours à l'étape où on est en train de pétrir. Donc il faut vraiment bien faire ça. On va peut-être mettre une planche en dessous pour pas que ça bouge. Voilà, nous sommes toujours occupés à pétrir. Vous faites ça pendant 10 minutes et ensuite vous revenez. On a pu pétrir pendant 10 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partager la pâte en 10 ou 12 morceaux. Je dirais plus, on verra bien. Voilà. Voilà, ici c'est déjà en 2. Voilà, je ferme 10 morceaux. Ensuite, on va former 10 boules. Voilà. On va les placer là. Si on a l'impression qu'une boule est plus grosse que l'autre, on équilibre. Dans celle-là, on voit clairement qu'elle est grosse. 2. Voilà, 9 et la dernière. Voilà, ça fait 10. Voilà, on va laisser reposer pendant 15 minutes, on va couvrir et on se revoit tout à l'heure. Voilà. Rendez-vous dans 15 minutes. Voilà. 30 minutes sont passées. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, on va prendre une boule à la fois. On va mettre la boule dans la farine, comme ceci. Ok, bien imbibée. Ensuite, on va aplatir. Jusqu'à former la forme nécessaire pour faire un donut. Alors, je vais vous montrer trois méthodes pour faire le donut. Vous pouvez utiliser soit un instrument comme celui-ci, que je vous conseille d'investir si vous avez l'intention de faire régulièrement des donuts. Ou alors, on va utiliser un verre et quelque chose pour trouver au milieu. Ou un gobelet. Voilà, donc avec ceci, il faut d'abord être sûr que la pâte a la taille suffisante. Voilà. Donc ça, ça va trouer en même temps. Ça va donner la forme et en même temps trouver le cercle. C'est très pratique, vous voyez. Voilà.
Et là, on se retrouve avec un petit rond. Donc ça, c'est la méthode la plus sympathique. Ensuite, vous voyez qu'avec les chutes, donc deuxième boule. Maintenant, ici, on va faire la méthode de la personne qui n'a pas de gadget. Donc voilà, deuxième méthode, on prend un gobelet qui fait la taille ou un verre. Et puis on tourne. Donc première étape, c'est de faire le cercle. Deuxième étape, ça c'est un bouchon. Et voilà, on fait comme ceci. Voilà, maintenant on va faire un troisième. Ça je garde encore, mais après je mettrai les petites chutes là. Ça permettra qu'on ait plus que 10 donuts. On en aura certainement 12. Voilà, donc là je suis encore en train d'imbiber. Je vous montre donc les trois méthodes et puis après je vais continuer hors caméra pour que la vidéo soit pas trop longue. Voilà, donc quand on a mis la farine, on fait ça. C'est normal que ça rétrécisse un peu, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Au moment où on va laisser reposer, ça va gonfler, à la cuisson ça va gonfler aussi. Voilà, parce qu'il y en avait qui s'inquiétaient pour ça. Voilà, donc on fait à nouveau avec ce gobelet. Et puis là, cette fois-ci, j'ai pris un bouchon d'eau pétillante. Voilà, c'est pour dire que si vous n'avez pas l'instrument, il y a moyen. On va voir. C'est un peu plus difficile avec ce bouchon parce qu'il est trop près. Mais ce n'est pas impossible. Voilà. Voilà. Ça n'a pas bien trouvé. Voilà. Ça y est. Maintenant, pour sortir le truc, on prend un cure-dent. Voilà. Donc, il ne faut pas spécialement acheter un matériel. Voilà. Je fais un petit dernier avec l'appareil. Comme ça, vous le voyez. Ensuite, je vous montrerai quand tout sera fait. Vous aplatissez en fait avec votre main jusqu'à ce que vous ayez une forme ronde de la taille du moule. Voilà, ça rétrécit mais c'est pas grave. Et on y va. Go. Voilà. Voilà. Nous avons réussi à en faire 12, on aurait pu en faire 13. Voilà, donc maintenant on va laisser reposer pour que la pâte à la cuisson gonfle très bien. On laisse reposer 40 minutes. Après on pourra les frire directement. À tout à l'heure. Voilà, nos 45 minutes sont passées. 40 à 45 minutes, c'est bon. Donc, on va le cuire ici dans un petit poêlon. Dès que c'est chaud, on se lance pour la cuisson. Donc, à tout de suite. Voilà, on démarre la cuisson. Voilà, si c'est bien chaud, en principe, ça remonte immédiatement. Là, c'est la bonne température. Mon assistante est avec moi. Ça va, assistante? Oui. Des questions? Oui. Ok, je t'écoute, très cher. Est-ce que c'est cette sorte de pâte-là qui fait gonfler pendant que ça repose ou c'est vraiment toutes les sortes de pâtes à baigner? Toutes les pâtes qui contiennent de la levure gonflent en principe. C'est quel genre de levure? C'est quel genre de pâte, pardon? Ici, c'est une pâte à beignets avec de la levure de boulangerie. Ça te va? Il faut retourner de temps en temps hein, les donuts. Parce que sinon, on va avoir un problème. Voilà.
que ce genre de donuts se font en principe à l'huile comme ça, ou c'est vraiment dans une machine à donuts? Ce qu'on fait dans les machines, c'est pas des vrais donuts. C'est un peu comme des cakes avec la forme de donuts. Donc des vrais donuts, c'est des beignets à l'huile. Donc la consigne pour que ce soit obligatoirement déjà un vrai donut, c'est que ça ait la pâte d'un beignet et que ça soit cuit comme à la friture, oui, ah, c'est ça. Ok, on laisse cuire? Oui. Poursuit notre petit bonhomme de chemin. Là, j'ai un peu retourné mon donut. Température est très bonne. Voilà. Ah, c'est bon. Oh, c'est chaud. Voilà. Ça cuit assez rapidement, hein, dès que c'est la bonne température. Comme il y a un trou au milieu. Voilà. On poursuit notre cuisson. Voilà, nous avons terminé. Je ne les ai pas tous sortis, il n'y avait plus de place sur l'assiette. On va goûter. Voilà, on prend celui-là. Vous voyez, magnifique à l'intérieur. On goûte, ma chérie? Mmh. Alors, ma chérie, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est très très bon. Il y a une bonne dose de tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de sucre. En plus, ça a très bien gonflé, je trouve. Voilà, ici je vous montre ce qu'elle a fait, la petite. Bon, c'est supposé être Mickey, mais moi je trouve que ça ressemble à un nounours. C'est un nounours, hein, avec la bouche un petit peu de travers. C'est mignon, hein. C'est mignon tout plein. Voilà. C'était donc l'émission Oseka des malheurs modernes avec une gamine de 10 ans qui s'appelle Teila. Voilà. Et donc, nous vous remercions d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification que vous voyez à droite. Et à bientôt! The future's open wide.
très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka de Malewa Moderne.